Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharaoh Dynasties toujours. Hein. On va reprendre notre campagne et on a pas mal de choses à faire sur cet épisode. Hein. On a notre tech à choisir, on a visiblement pas mal de complots qui ont échoué puisque on a trois actions de cours. Mais la première chose qu'on va faire, c'est s'occuper du cas de l'Assyrie. Ils sont vraiment trop nuls, ils s'en sortent pas, ils font que de la merde. Il y en a marre de leur connerie, honnêtement. Même notre fils s'est fait massacrer, je sais pas, il doit y avoir un truc sur le trône de la Syrie qui fait que on devient complètement naze dès qu'on est dessus. Donc on va les confédérer, ils veulent pas, mais on va leur poser un ultimatum. S'ils veulent pas le faire, on ira leur marcher dessus. Vu leur capacité militaire, ça devrait pas être compliqué. Et c'est accepté, excellent. Parfait. Donc, on va falloir qu'on regarde un petit peu tout ça, mais seconde chose qu'on va faire... C'est toi. On va arrêter du coup hein, d'essayer de faire de la diplomatie pour recruter des troupes. On va mettre un mec sur le trône et on recrutera la cavalerie à l'ancienne. Et ici, on va aller chercher quelques personnes à Agad. Et après, on recrutera notre cavalerie. Donc, tu vas là. On va compléter notre armée. Voilà. Toc. Donc, on va prendre... de la garde royale et un spécialiste babylonien dans cette armée pour en avoir au moins un. Ça nous laissera 3 places pour de la cave. C'est plutôt pas mal. On aura une belle ligne de front, quelques chargeurs. Et on prendra, je pense, 3 unités de cavalerie. On enfilera un petit peu à Haddad. L'objectif, ça va être d'en terminer avec eux. Ça devrait être une formalité, je pense. Et ensuite, on s'occupe d'aller péter des fesses du côté des Hittites. Et peut-être de Canaané, on verra. Toi. I shall bring a new era. Niveau 1. Niveau 1. T'es qui? T'es personne, artiste à l'aigle, éligibilité au mariage, ouais. Tu pourras faire éventuellement un mec à marier, pourquoi pas. Nous fait monter notre coût d'administration pour pas grand chose. Est-ce que j'ai envie d'une nouvelle armée? Celle-là va être assez rapidement libre. Celle-là aussi. Là, on devrait en terminer en 2-3 tours, pas plus. On va avoir besoin ici d'une armée supplémentaire, si ce n'est de deux, mais je pense qu'elles vont arriver de là. Je suis pas convaincu qu'une nouvelle armée soit vraiment nécessaire. On va regarder un peu ce qu'on a comme bâtiment. Ici, un camp des autochtones qui nous permet quoi? Cavalerie acadien. Ouais, du lancier, du chargeur, c'est naze, tout ça, ça nous intéresse pas. Des défenseurs, même notre garde royale maintenant, donc pas utile. Ici, on a un système d'irrigation. Ici aussi, un système d'irrigation. Un autre camp des autochtones. Oh là là. C'est bon, on dégage ça. On dégage ça. Ça sera pas du recrutement ici, on a du bronze, on a de la bouffe, on a de l'or, ça sera de la ressource. On va dégager ça, on va dégager ça. Ça c'était notre colonie à nous, donc elle est déjà équipée. Ici on a quand même un grand temple. Alors on va rejeter un œil quand même. On a un grand temple, ici on a un obélisque éventuellement. Pourquoi pas? En vrai, ça pourrait nous aider sur la légitimité. Ici on a le quartier des bronziers, ici on a la maison des exorcistes toujours. Attaque en mêlée plus 5 pour toutes les unités dans la province. Enfin, ça vaut pas le coup d'en faire une province de recrutement. Le petit point de victoire est pas mal. On ira peut-être chercher ça. On avait construit une garnison à la place. Ça, on peut pas le détruire, on est d'accord. Hein. C'est le... Ouais, c'est ça. C'est un port, donc on peut pas le détruire. Donc il faudrait qu'on vire ça éventuellement. Les 10% d'or et l'influence, c'est pas très utile. Déjà, on a de l'influence là aussi. Bon, on va investir de toute façon, probablement, donc on va pas le faire tout de suite. Du coup, si je fais une corvée, est-ce que je peux faire ça? On réduit le coût de construction, le temps de construction de ce truc-là, et là, du coup, on va faire une garnison. Est-ce qu'on a d'autres choses intéressantes? On pourrait faire de la bouffe. Hein. Ce serait pas un mal en vrai dans le coin. Donc on va faire de la bouffe. Ok, on crame la main d'œuvre. On fait de la nourriture.
Toi, tu vas rentrer à la maison. Alors, il y a un inconvénient, c'est que nos garnisons sont inexistantes. Quand on confédère, les garnisons repartent de zéro. Donc, on est très faible à un assaut potentiel de lui. Il va donc falloir qu'on se bouge. Ici, on est coincé. On les avait bien endommagés. Mais le problème, c'est qu'on n'a toujours pas d'équipement de siège. Donc, on ne peut pas lancer l'assaut. Il va falloir attendre au moins un tour. C'est pour ça que je mets un spécialiste babylonien dans son armée à lui pour qu'on puisse au moins lancer des assauts quand ça se passe comme ça. Ici, on avait fait notre petit tour. On va se bouger jusque-là, voir un petit peu ce que ça donne du côté de Suse. Est-ce que j'attends un tour de plus? Il va falloir que j'atteigne le fort, je pense. Suisse, c'est 20 troupes, dont des renforts. Ouais, la garnison de colonie est pas ouf. On pourra intercepter les renforts, donc on va prendre un tour de plus là. Et puis parce qu'on est des petits coquins, on va se mettre en embuscade. Allez, c'est parti. Ça me va bien. Donc toi, tu recrutes. Ah oui, c'est instantané le recrutement du spécialiste. Tiens, j'avais pas percuté. Du coup, oui, en fait, non, on aura plus que deux troupes pour les. Pour la cave, c'est pas un souci. Toi, t'attends, Haddad, mon cher Haddad. On perdra une cave si on fait ça. On a quoi? Deux échelles, un bélier. En face, il est tout endommagé. On a la garnison de l'avant-poste à intercepter. On va la faire. On est d'accord que la bataille nocturne ne nous aide pas. C'est parti. On va intercepter la garnison. Ce sera probablement la plus grosse bataille. Après, on prendra nos échelles et on ira les titiller. Grosse ville, hein. Sacré intéressant comme. Bon, de toute façon, c'est là où la garnison va sortir qui va définir quel côté on se met, mais c'est intéressant. Et notre adat commence à vraiment bien grisonner, hein. C'est parti. Temps sec, suivi d'une chaleur étouffante, ça me va. Alors du coup, la garnison, les renforts arrivent là-bas. Forcément, c'est le côté où il n'y a absolument rien. Ils peuvent. Alors ici, on a un tout petit espace pour passer. C'est pas sous le tir des tours, mais pas loin. Ou alors sinon, on marche jusque là-bas pour se mettre ici. Là, on a un truc qui donne des soins, ok. Et là, un truc qui donne du moral. Ce serait plus intéressant de faire tomber le moral, hein, bien sûr. Donc on va peut-être quand même passer par là. Donc dans tous les cas, on se déploie ici. J'espère qu'il ne va pas y avoir des troupes qui vont sortir par là. Alors, vous venez là, vous venez là. Alors, par contre, c'est une zone un peu merdique pour le tir. On va se placer comme ça pour avoiner tout ce qui arrive. On va déposer nos armes de siège du coup là. Hop. Le bélier ici. Hop. Et une autre échelle à côté. Voilà, très bien. Ensuite, la ligne de front, ce sera vous. On va vous mettre là. On va les laisser se prendre quelques tirs le temps qu'ils arrivent, hein. Il va nous falloir un petit peu de conscrits par là pour faire contremaître. On va en mettre un petit peu par là pour éviter les contournements. On va mettre nos chars ici pour surveiller s'il n'y a pas du renfort qui apparaît par là. Ah oui, c'est vrai qu'on a deux hautes gardes royales aussi dans cette armée. Ça, c'est bon, ça. Allez, hop, par là et par là. Du coup, toi, tu vas reculer un petit peu. Haddad, mon cher, tu te mets là en défense. Et on a tout placé. Non, on n'a pas tout placé, il nous reste la cave. Alors la cave, on va partir du principe qu'ils vont probablement essayer de courir pour aller par là. Donc on va se placer ici pour intercepter ce qui voudrait se faufiler. Et c'est parti. On chope tout ce qui sort. Ouais, comme prévu, ils essayent de se mettre par là-bas. Venez là, vous. Donc on va se décaler. Nos tireurs.
On va les faire avancer par là. Vous êtes déjà quasiment à portée. C'est juste une histoire de bouger un tout petit peu. Donc, venez. Ils se planquent dans les fougères. Logique. Ils ont bien raison. Du coup, on va se bouger avec notre cavalerie là, en fait. J'aurais peut-être pu anticiper un peu mieux qu'il allait essayer de se planquer là. Donc on va les intercepter. Là, on a eux qui surveillent la sortie. C'est quand même des mecs pas dégueux. Hein. Les anciens Anatolies en armure, on les a utilisés, on sait qu'ils sont costauds. Vous, contournez-vous là, placez-vous comme ça. Alors, on pourrait tirer des flèches enflammées avec eux. Non, ils savent pas tirer des flèches enflammées. De votre ennemi sont révélés. Je veux pas tirer des flèches enflammées, sinon on aurait pu foutre le feu à toute la zone. Là. Ça aurait pu être rigolo. Venez par là, vous. Vous voyez la cavalerie derrière. Donc, ils sont en train de se préparer à une charge. Ils sont en train de bien se condenser là, visiblement. Il y avait quelques tireurs, mais je les vois pas pour le moment. On va essayer de les faire sortir du bois. Ok, ils sont tous bien en tas là. Vous avez un bel angle de tir sur le côté, donc allez-y. Balancez la patate. Il essaie de se faufiler là, lui. Là. On va l'intercepter. Oula, c'est un petit peu pas très très précis tout ça, les gars. Faut dire ce qui est. Ok, la cavalerie, on va la foutre vraiment dans le dos. Ouais, donc faut arrêter là. Ça ressemble à rien ce que vous faites. Ça suffit. Vous passez en tir direct. Commencez à me tirer là-dessus. Il essaie de forcer le passage. Hein. Par contre, il avait d'autres troupes. Ah, elles sont là. Putain, il m'a contourné quoi. Il a contourné mes mecs. La vache. Il a dû faire tout ce chemin là. Bon bah ok, il a réussi à passer des troupes, très bien, bah c'est pas grave, on va intercepter ce qui passe ici, c'est pas gênant. Déjà on a le général, c'est pas si mal. Voilà, c'est en déroute. Ça cède doucement. Ok, déroute, on va continuer de les taper un peu. On va calmer nos tireurs par contre. Pour le moment. Vous allez commencer à marcher par là. Alors pas à portée de la tour, donc ouais, ici. On va marcher tranquille. Hein. Pas de stress. On va récupérer toute l'infanterie, pareil, on va marcher par ici. On va laisser la cavalerie s'occuper des trucs en fuite. Pour les rendre, les mettre en fuite totale. Donc il a quand même réussi à passer une bonne moitié de sa garnison. C'est bien joué. Franchement c'est bien joué, surtout les archers. Les archers ça fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Pas avoir tout le temps l'œil sur la minimap. Hein. Allez, poursuivez-moi ça. Toi, tu me poursuis le général, hein, c'est bon. Non, tu me poursuis pas le général, là. On va pas non plus les laisser se replier à l'intérieur. Hein. J'aurais préféré qu'ils s'enfuient par là-bas, bien sûr. Mais bon. L'objectif, c'est qu'ils aient le petit crâne, comme quoi ils s'enfuient définitivement. Alors, par contre, vous, c'est pas la peine de faire des trucs de ce genre là, venez par là.
quelques flèches. Pour faire plus de tirs amis qu'autre chose à tous les coups. C'est bon, il passe, c'est vite. Ok, c'est bon, il est en déroute complète. On va pouvoir faire courir la cave par ici. Alors, est-ce qu'on prend la haute garde royale pour prendre les murs? Ça peut être pas mal, hein. Honnêtement, alors le truc, ça va être de les... Il va falloir qu'on attende qu'ils soient là, parce qu'on va vouloir... On va vouloir qu'ils évitent de marcher en ligne droite dans les tirs ennemis, n'est-ce pas? Ok, c'est bon, là, c'est fini. Donc les deux caves, vous venez par ici, en marchant, pas la peine de stresser. On va mettre en vitesse 3. Ok, bah les archers ont fait le taf quand même. Hein. Ils ont réussi à sniper le général. C'est bien joué. Bon. On a quand même pas mal entaillé leur capacité de combat. Maintenant, on va pouvoir monter l'assaut. Vous ne bougez pas. Vous devriez bouger normalement. Pareil pour vous, vous devriez bouger. On va prendre les tours comme marque. Mode, qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi tu prends ce chemin bizarre? Qui passe en plein dans les lignes de tir ennemi, sérieusement. Sérieusement! Haddad, c'est pareil, je sais que tu vieillis, mais c'est pas une raison pour ne pas bouger. Alors, toute la cave, on va la mettre en face des portes, bien évidemment. C'est là qu'elle va être le plus efficace. Eux vont nous faire mal pendant notre approche. Mais néanmoins, on a potentiellement des angles morts. Si on met notre garde royale ici. L'autre garde royale ici. Avec peut-être un mec comme ça en renfort. Et j'aimerais bien mettre un spécialiste babylonien pour éventuellement prendre les murs. Et tout le reste de l'armée. Tac tac, toi, 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 et toi, je mets un... Vous allez là. C'est parti. Haddad aussi d'ailleurs, tu viens là. Ça va commencer à faire chaud, hein. On va être en chaleur étouffante pour l'assaut, mais bon. C'est la vie, il a mis tous ses tireurs au-dessus de la porte. Alors toi, prends cette échelle, s'il te plaît. Voilà. Sachant que c'est des échelles, donc elles sont pas particulièrement protégées des tirs. Hein. C'est pour ça que je vais mettre eux sur l'assaut. Du coup, on a pas mal de monde qui s'est arrêté là, ouais, parmi nos tireurs. On va les mettre plutôt par ici. On va les mettre jusque là. Chaleur étouffante est bien rendue, hein. Je trouve que le petit effet chaleur est franchement sympathique. Ok, il nous reste 46 minutes. Et on est quasi en position. Il nous faudrait des mecs, genre vous par exemple, pour prendre le bélier. Et vous, vous êtes là, prenez ça. Voilà, on pourrait presque s'approcher avec nos frondeurs là. À la limite de portée des tours, genre là. Peut-être même avoir des angles de tir. Allez, c'est parti. On va poser ça là-bas. Ça, en plein sur les archers. Là, on attaque. Vous. Vous avancez. Vous. Vous avancez. Et c'est l'assaut! Alors, la ligne de front.
Tac, 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 tac. Pas vous. Merde. Il faudrait que je les range. Toi, viens là. Toi, viens là. Et toi, viens là. Voilà, très bien. Ici, on va commencer à faire des petits tirs en cloche, quitte à se prendre quelques shoots, c'est pas grave. Et du coup, vous, vous avancez. Haddad, un peu derrière. On va commencer, voilà, à mettre un petit peu de pluie de projectiles. Pareil là, t'as un angle un peu meilleur. Les archers, on va les garder pour le moment. On va garder leurs flèches. Dans l'optique d'éventuellement les mettre sur les murs. Bon, sans surprise, hein, on fait pas des dégâts de fou, mais on en a quand même tué un, c'est déjà pas mal. Ça serait pas mal d'avancer d'ailleurs, parce que mine de rien, ils sont déjà quasiment au mur, hein, les petits, cocos là, ils courent. Hein. Ils courent, ils courent. On a le combattant inébranlable, coup parfait, loyauté à la couronne. Envers et contre tous. Non, ils sont pas de. Ils sont pas adaptés au combat dans le désert, mais ils sont quand même pas non plus dégueux, quoi. Ok, là il est en train d'envoyer des guerriers à la hache. Il a mis des archers, mais du coup ils sont un peu planqués. Venez par là, vous. Ok, nos échelles sont sur les murs. Très bien. Et les portes sont prêtes. A priori, on a quoi derrière? Plutôt de la daube, hein. De l'épéiste. Il y a des lambeaux de lanciers. On va avoir envie d'avancer avec nos... ont été détruites. Ah oui, direct. Bah go, alors. En avant. Foncez dans le tas. C'est que de la merde dedans, bah du coup la cave en avant. Foncez dans le tas également. Vous me prenez cette échelle là. C'est parti, on va prendre des lanciers en armure ici. On va courir avec tout ça. Faire un petit peu de nettoyage. Et on est en train de prendre pied. Doucement. Les portes sont à portée de main. Le général, ce serait bien qu'il y aille aussi. Un petit chargé peut-être. Sur la cave. Charge and do not stop. Excellent état d'esprit. Là on monte. Et là dès que la cavalerie est passée, on y va. Hop, on met du monde ici, là, vous vous descendez, vous allez me choper ça dans le dos. Ici, pareil, prenez ça, prenez les murs. En avant, là, faut avancer les gars. Les chars, c'est pareil, on a laissé personne a priori trop dehors. La cavalerie a réussi à s'infiltrer, excellent. Par ici, vous, interceptez-moi ces guignols. Il commence à flipper, là. Le général est mort. Hop, c'est parti. Cavalerie, cavalerie. Alors, faisons le point. Vous, prenez-moi cette ligne. Il y a encore du monde en haut, là. On va envoyer un petit peu de troupes s'occuper de tout ça. Ici, on a capturé la tour. Parfait. Vous, prenez ça. Prenez ça. Montez tous tout en haut, là. Vous serez bien comme ça. Là, j'ai l'impression qu'on se fait tirer dessus gratos par les tours. Donc, on va avancer. Alors, la cavalerie, à quoi va-t-elle nous servir pour le moment? Ici, on a du monde qui est en train de revenir. Pour le moment, on fatigue un peu. On va l'envoyer par là-bas pour pouvoir éventuellement tenter des mouvements de flanc. Ici, on va se placer comme ça.
Là, on est en train de monter, donc on lance l'assaut. Quand même encore pas mal de monde sur les murs. Ce serait bien de faire tomber cette porte là. Celle-là la capture. On est en train de le capturer. Excellent. Est-ce que vous pouvez descendre, puis après venir là? Hop. Ça s'entasse un petit peu au pied de l'échelle, mais c'est pas grave. Hein. Vous avez capturé les portes. Parfait, les portes sont à nous. Room for success. Face my wrath. Allez, go. Toi, mon cher, mets-toi en position. Ici, c'est pas mal, on va rentrer les chariots. La cavalerie, il y a des lanciers là, c'est un peu chiant. On va l'envoyer se faufiler là-bas. Pour le plaisir d'éventuellement derrière arriver sur ça et faire courir un peu ceux-là qui sont en train de céder. Ouais non, ça y est, le moral s'est écroulé. Excellent. Excellent, une victoire décisive. Ce qu'il a réussi à rentrer dans ses murs ne l'a pas sauvé. Alors je comprends toujours pas pourquoi la garnison s'en était remise hein, de l'attaque, peut-être qu'il avait refusé l'assaut, je ne sais pas. Enfin les renforts s'étaient remis de l'attaque de l'autre... comment c'était, Ougarit, l'Ougarit. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. La ville est à nous. En surprise, les tireurs n'ont pas été monstrueux sur cette bataille. On fait le taf hein, pour prendre les murs. Et bim. T'apprendras à utiliser une masse face à une lance. Et on occupe. Ça y est. Alors là, ce qui est cool, c'est que ça, c'est une terre sainte. Assure, c'est une terre sainte, donc on va pouvoir commencer à booster un petit peu ces trucs-là, là, parce que ça continue de se casser la gueule. Hein. On est à combien, là? 555, on était à 600 et quelques le tour d'avant. Donc il va falloir se bouger les fesses. Du coup, ici, on a quoi? Un comptoir commercial. On va le réparer, pourquoi pas. Et ça, alors ça, c'est quoi? Un fort, très bien, et celui-là il est là, on va faire un poste de passage pour le moment. Donc pour l'instant on n'a plus d'adversaire ici, on n'a pas rentré en guerre contre l'Ougarit. Mais néanmoins, on est un peu cerné, ça fait un petit peu la pointe quoi. Donc il va falloir qu'on s'occupe de ça. Alors ici on a du bronze, ça pourrait être un endroit où on recrute, qu'est-ce qu'il nous donne? Des lanciers en armure, des chars lourds d'Anatolie, ouais. Archéitite, guerrier à la hache de renom. Ça m'intéresse pas. Très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. On va privilégier une garnison. Avec la main d'œuvre qu'on a. Et derrière, on va attendre un petit peu. Parfait. Militairement, je pense qu'on est pas mal pour ce tour. Regardons un peu ce qu'on peut faire. Donc ici, on peut mettre quelqu'un roi d'Assur, ou alors on le donne à des gens. Plutôt non. Notre faction espère obtenir ce poste, ils ne peuvent pas vous en empêcher, mais n'espérez pas qu'ils applaudissent ce choix. Alors on peut le donner, mais je ne sais pas si on donne à... Par exemple, je peux le donner à Atura, mais est-ce que je donne la ville, puisqu'il faut avoir Assur. Alors, ça me permet pas, enfin, ça me donne pas de. J'ai pas envie de le donner. C'est pas si mal parce que ça nous permet de profiter des actions de cours, hein, d'avoir d'autres personnes sur qui faire des trucs, mais il y a un moment où, une fois qu'on a tout. Voilà quoi. Alors, il y a deux tentatives de destitution sur notre fils qui ont échoué. Ok, très bien. Et on est repassé à 400. Par contre, on a un moins 23 au prochain tour. Je pense que Ninip serait un très très bon. Roi d'Assur. Pour l'instant, il assure.
Le jeu de mots est mauvais, mais néanmoins réaliste. Et avec du coup nos autres trucs, ce qu'on va faire, on va comploter. Alors destituer, non, ce que j'aimerais c'est voler de la légitimité. Voilà, je veux de la légitimité. On a déjà un discrédit. De l'or. On peut tenter ça, 81%, ça reste quand même très honnête. Et on vole de la thune et en plus un peu de légitimité, donc c'est parti. Et maintenant, on a quand même le haut du panier. Hein. Ça, c'est cool. 22 notifs, j'avais même pas fait gaffe. Donc ça, il y a le point de sûr, c'est fait. On a gagné la massue éclair de Ninurta. Ah oui, c'est vrai que du coup, on a l'objet spécial. On a gagné un partisan pisteur. On a notre décret, on ira voir. Donc la civilisation impériale, on avait vu. Les maris ont été détruits. Ça, c'est pas cool. C'est sans doute pour ça qu'on a perdu de la bouffe. On a rencontré plein de gens. On a des intrusions étrangères, ou ça? Oh! Coucou! C'est où ça? C'est ici. D'accord. Donc ça doit être des... J'imagine des... Pareil pour là? Non, lui c'est le lobby classique. Donc on a des envahisseurs qui se pointent. Ici on a un niveau... Héritage forcé par mort du descendant. Shoot to rule que vous aviez fait Sion de Assyrie à Péri. Mais ouais, tu m'étonnes. Espèce de naze. Alors, est-ce qu'on peut directement recruter la cave, du coup? Quoi vient là? Si je vais là... Oui, on pourrait la recruter. T'as 1000 balles, hein. Waouh, ça pique. On va pas la faire tout de suite, parce qu'on n'a pas d'intérêt à le faire tout de suite. On le fera au prochain tour. Ça, c'est instantané, en fait, ce recrutement. Même lui, j'aurais pas dû le recruter tout de suite. Puis on peut faire... Ah, on peut faire qu'un par, hein, par contre. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que je pourrais peut-être pas recruter comme un gros sac. Pas de souci. On en recrutera une au début du prochain tour, et après, on avance. 33 rappels. 30 bâtiments endommagés. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu la crue, là. Bah oui, la crue, il faut qu'on répare tout ça. Bon, ok, on va faire le tour. Ici, déjà... aller chercher de la pierre. Je crois que c'était plus ou moins ça qu'on était parti faire, mais on pouvait aussi aller chercher ces trucs-là pour pas trop cher. De la bouffe. La bouffe, c'est pas mal. Hein. Côté militaire, il y avait ça qui était intéressant, mais ça nous demandait d'aller chercher plein de trucs. Quoique, les munitions... Ouais, si, on va aller chercher ça. Allez. Est-ce que je peux pas claquer du coup de rousse? Je peux claquer du coup de rousse. On va prendre ça. Et on va prendre ça, voilà. Et derrière, on va aller chercher la nourriture. Très bien. Une bonne chose de faite. On est quand même très fort en termes de montée en puissance, je trouve, avec cette faction. Ça marche quand même très très bien. Alors maintenant, des avant-postes. Bon, là, on va voir comment ça va tenir. Le prochain tour va être décisif. Ici. On peut rien faire. Ici, il n'y a rien de cassé, on peut rien faire. Ici, il n'y a rien de cassé, on peut rien faire. Ici, on est en train de monter niveau 5 et les avant-postes sont gérés. Ici, normalement, voilà, on a tout fait. Ici, la province, c'est fait. Ici, bah, faut réparer. Réparer, 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 réparer. Ça demande que des ressources, pas de la main d'œuvre. On a tellement... Ça nous coûte tellement pas cher, avec nos bonus de Babylone. Les avant-postes, ils se cassent pas. Non. Ici, pareil, faut réparer. Un petit bouton tout réparer manque pour ce genre de catastrophe, mais bon. J'avais ça, ici. Et parce qu'on pouvait faire un peu de cave ou de trucs du genre. Ça peut nous permettre de lever une armée rapidement en cas de besoin. Mais pas mieux de façon, non. Si, il y a un temple, mais on l'a fait. Ok. Non, après, c'est le monument glorieux. Les avant-postes, ils sont pas cassés. Babylone a également souffert. C'est parti, on répare. Ici aussi, et bien. Tac. Alors, je dirais pas que ça nous dépense des ressources, parce qu'on voit même pas bouger la jauge, quasiment. Tellement on est blindé.
Hop, on répare, on répare. Et on a fait le tour, je pense. Ouais, on a fait le tour. Ok. Donc on répare tout ce qui est arrivé avec les crues. Et on va arrêter l'épisode là, du coup. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées de stratégie pour avancer sur ce territoire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!